à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin aux expériences de paysage avec Adrien Fourès, paysagiste. On œuvre à la Fédération française du paysage Île-de-France pour coordonner ce cycle de conférences qui a été créé en 2009 par Michel Pellin qui est ici présent. Voilà, ce cycle de conférences a pour objectif de construire la mémoire du métier de paysagiste. Et donc, on invite un paysagiste par mois qui a carte blanche pour raconter son expérience professionnelle. Donc, la Fédération des paysagistes œuvre à rassembler et à faire rayonner aussi la profession, autant à travers les projets de loi et aussi à travers des événements. Voilà, donc vous avez plein d'événements à suivre sur le site de la Fédération nationale, notamment une assemblée générale à Lille prochainement, mais aussi sur les fédérations de paysage en région. Donc en Île-de-France, on a un Facebook que vous pouvez consulter. Voilà, donc ce matin, on a la chance d'accueillir Catherine Mosbach, qui nous propose donc une conférence « Faisons paysage, viatique de l'imaginaire ». Donc on imagine que c'est une invitation au voyage. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter encore le Louvre-Lens, vous avez là une image effectivement de cette écriture particulière. Et on est très heureux de commencer le voyage par ce projet, de ce paysage complètement ordinaire qui s'est transformé en un paysage spectaculaire, où effectivement la conceptrice a su, à mon avis, jouer entre éthique et esthétique. Et voilà, je te laisse la parole. Merci d'avoir organisé cette présentation. Je pense qu'en effet, c'est très important, comme on l'a soulevé avec une des personnes présentes, de faire ce travail de mémoire qui s'étale sur plusieurs années, à la fois dans notre pratique professionnelle, mais aussi dans le regard et la critique de notre travail, qui est évidemment une clé de voûte de l'évolution de nos métiers et du regard que l'on porte sur nos métiers. Comme chacun le sait, le moindre projet s'échelonne entre 5 et 10 ans, ce qui pour un être humain est un grand pas et ce qui pour l'histoire des idées est un tout petit pas. Donc je vais en effet naviguer entre plusieurs échelles et plusieurs projets. Il y en a 7. Le Louvre-Lens a une place particulière, bien évidemment. Il fait 25 hectares. Et il s'inscrit dans une collaboration étroite avec des architectes japonais. Taïwan, qui est en chantier, fait 70 hectares. Donc on change un peu de dimension et de problème en même temps. Ensuite, il y a 3 concours, 2 concours au Qatar. Je vous remercie de ne pas prendre des images de ces concours. Je suis interdite de communication. Les lauréats ne sont pas désignés. Le premier a été fait il y a un an. Le deuxième a été rendu récemment. Je pense que le client, qui est l'émirat du Qatar, veut laisser la possibilité de changer d'avis sur le choix du lauréat jusqu'au dernier moment. Nous avons perdu ces concours, mais ce sont des expériences très importantes pour moi. Un autre concours qui a sa clé. Les 2 concours du Qatar sont environ 10 hectares. Le concours de Saclay est perdu aussi, chez Michel Desvignes. 4 hectares. L'ensemble de la parcelle fait 4 hectares et le jardin fait 2 hectares. Enfin, une expérience en chambre noire, on va dire, c'est la Triennale de Milan, mais qui est directement liée à l'expérience du Louvre et en même temps étend la problématique qui est née au Louvre-Lens. Et je termine par Bordeaux, qui fait 5 hectares. Bordeaux est un des ouvrages qui a aujourd'hui 15 ans. Et puisqu'on parle de faisons paysage, il s'agit bien pas simplement d'un décor ou d'un espace extérieur, il s'agit de la relation de l'homme à son environnement au sens large. Et Bordeaux est assez spectaculaire dans ce sens. Enfin, chacun sait ici que le paysage, c'est pas du jour au lendemain, que c'est jamais fini, que c'est qu'un début, que 3 ans c'est très jeune, 15 ans c'est juste à peine l'adolescence, c'est la pré-puberté. Et il est intéressant de voir de quelle manière les choses s'installent. Ce n'est pas forcément lié à l'échelle, à la dimension. C'est un peu lié au programme quand même. On peut en parler dans les échanges. Mais Bordeaux, je pense, c'est dont le sujet principal est de faire démonstration du paysage. C'était le programme, ce qui n'est pas toujours le cas dans les projets dont je vais vous parler. Donne un peu d'espoir quand même sur nos capacités à produire de l'imaginaire, je pense. Enfin, j'espère.
Donc on commence par le Louvre. Oui, j'aurais pu parler avec la... Tu as mis l'affiche. Elle est tellement belle. On est à Milan, la Triennale de Milan, 2016. C'est une installation qui s'appelle In the Net of Desires. Pardon, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. C'est vrai que je suis plus habituée à communiquer en anglais qu'en français, donc si je me trompe sur deux, trois mots, je suis désolée. Le Louvre est un concours qui s'est tenu en 2005. Il s'agit d'un territoire de terril, donc très très contrasté, très abrupt. C'était d'abord, avant d'être un concours de maîtrise d'œuvre, c'était un concours des villes qui ont postulé comme on postule pour les Jeux Olympiques. Ce territoire a gagné le concours d'accueillir le Louvre-Lens parce qu'il y avait la possibilité d'accueillir un équipement, mais pas simplement un musée. Donc le programme du Louvre-Lens, c'est évidemment d'abord un musée, mais aussi que cet équipement culturel s'installe au milieu de la possibilité, de la capacité d'un grand parc de 25 hectares, mais aussi puisse être à l'origine le levier d'un renouvellement urbain sur 4000 hectares. Par l'expérience, on sait que l'arrivée d'un nouvel équipement, je pense à Beaubourg, mais à beaucoup d'autres, Beaubourg étant centre-ville, entraîne des renouvellements importants, des renouvellements urbains importants. Et donc celui-ci, selon le choix du jury, avait la capacité, en tout cas c'était l'hypothèse de travail et l'ambition, d'initier un renouvellement de territoires de 4000 hectares, et bien évidemment des territoires marqués par une déprise économique, donc des territoires en difficulté sociologique importants. Cette donnée est essentielle dans la manière que le paysagiste que je suis a d'aborder la question, puisque c'est une parcelle qui est directement liée à l'exploitation industrielle, c'est-à-dire on sort du matériel, on le vend, on l'exporte dans les ports, par les trains et par les ports. Donc la parcelle qui est issue de cette exploitation industrielle, elle n'a pas de forme, enfin on peut dire autrement, elle est difforme. Quand on s'attache un petit peu d'une manière entre guillemets académique, comme il est de tradition dans certaines formations, on est un peu désespéré de cette espèce de muscle étiré qui ne ressemble à rien et dont il faut pourtant faire un parc. Et en tant que paysagiste, les architectes sont japonais, ils sont à Tokyo. J'avais en quelque sorte pour cette phase concours la mission, en tout cas je me la suis donnée, d'inscrire cette espèce de muscle étiré dans une logique de territoire. Et la seule manière que j'ai trouvée pour m'affranchir de ces limites qui n'avaient ni queue ni tête, c'est de me servir de cette empreinte de mobilité pour en faire les entrées principales de l'équipement, donc de l'équipement qui, pour moi, est un musée-parc, et qui permettait aussi de poser le concept de travelling, c'est-à-dire l'ambition à la fois des architectes et du paysagiste que je suis, c'était de ne pas fixer, et du programme aussi du Louvre-Lens, c'est-à-dire l'ambition du Louvre-Lens, c'est de ne pas fixer cet établissement sur une temporalité particulière, puisqu'on y présentait toutes les époques et toutes les périodes d'art, et de faire en sorte qu'on n'est jamais devant un monument, mais de faire en sorte que les visiteurs qui entrent dans cet établissement soient toujours dans une relation de travelling, c'est-à-dire de transition entre une position et une autre, entre une expérience et une autre, entre une approche de connaissance historique et une autre. Je ne vais évidemment pas rentrer dans tous les détails de tous les projets, ce serait trop long. Je vais retenir que les figures principales de chaque projet, et à la fois en tant qu'outil de conception et de dessin, et à la fois en tant qu'outil de réalisation. Donc la question du travelling est une question essentielle pour le Louvre-Lens, au sens large du terme, c'est-à-dire au sens de concept. Et ces cavaliers, puisque c'est par ici que les wagonnets entraient pour aller au puits, prendre le matériel et ressortir pour aller à grande échelle donc dans les lieux de distribution. Ces cavaliers et le dessin de ces cavaliers, parce qu'évidemment, ils ont été créés par des ingénieurs à l'origine pour être simplement des voies de chemin de fer, pour le dire crûment, ont été redessinés, reformatés pour faire à la fois clôture, mais aussi pour organiser cette approche progressive du visiteur qui entre d'abord par le paysage pour arriver ensuite
à l'accueil du bâtiment et pour arriver ensuite aux galeries, puis aux œuvres d'art. Cette transition progressive, on va dire, cette initiation à la fois au paysage, à l'architecture, à l'économie, est essentielle dans ce bâtiment. Pour moi, il n'était pas question d'évacuer une dimension au profit ou au détriment d'une autre. C'est-à-dire, il était important pour moi de garder cette mémoire qui est aussi la culture économique et industrielle. La mémoire, évidemment, du travail de la plante, puisque c'est elle qui a fait l'attractivité du terrain pour le jury qui a choisi la ville. Une fois l'activité abandonnée, la plante a repris ses droits et s'est installée et a créé le cadre potentiel de ce parc. Donc ces cavaliers ont organisé toute l'accessibilité au programme, au bâtiment, mais tout en restant dans une relation ouverte et jamais stoppée devant un devant ou un derrière, une partie noble ou une partie moins noble. Et je dirais aussi ouvert au travail du temps, le temps qu'il fait, pluie, vent, soleil, et le temps de la maturation de l'ouvrage. L'extrait que je vous ai mis pour présenter la conférence est un extrait sur un article auquel j'ai participé pour l'ETH à l'initiative de Christophe Giraud, qui parle de la transgression des limites. C'est-à-dire pour arriver à faire paysage, à mon sens, c'est peut-être ma sensibilité, et je pense aussi une grande partie de la sensibilité des paysagistes qui sont formés à Versailles, je pense que viscéralement, on n'aime pas les limites, c'est-à-dire on cherche toujours à s'en échapper. En substance, ici, la limite de la parcelle était vraiment indigeste. Et bien évidemment, on est au Louvre-Lens, c'est-à-dire on doit protéger des œuvres d'art qui valent une fortune. Et que bien évidemment, on nous a demandé de faire une certaine série de clôtures pour protéger et pour mettre à distance le public par rapport ces objets d'art qui valent une fortune, à la fois en tant que mémoire patrimoniale, mais à la fois en tant qu'économiquement, tout simplement. La forme de la parcelle étant ce qu'elle est, la seule manière dont j'ai trouvé pour dissoudre cette limite, puisque l'un des enjeux principaux aussi, c'est d'amener toute cette population qui n'était pas initiée au Louvre, à la fois en tant que mémoire historique et culturelle, de l'amener facilement et au parc, au bâtiment et aux galeries. C'est de se servir du limon qui servait au déblai remblé du bâtiment, puisqu'il y a un énorme sous-sol, sous le musée, c'est-à-dire il y en a autant en dessous qu'au-dessus. Vous voyez le stock de limon qui vient des déblais, et d'en faire une clôture de paysage, bien évidemment, avec du limon traité, selon une technique traditionnelle de terre traitée, et que la clôture soit en effet une clôture, c'est infranchissable, ça fait 2 mètres de haut, mais qu'à long terme, cette clôture fasse paysage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller, mais qu'elle est dissoute dans le processus de paysage. Sana a traduit d'une autre manière la dissolution des limites en proposant une façade en aluminium qui se dissout également en tant que limite physique par le reflet de la clairière et de la lumière de cette clairière, mais aussi du ciel et du temps qu'il fait. Cet ouvrage est un ouvrage fondateur pour moi, pour ce projet. Il est évidemment issu de l'expérience du jardin botanique, dont je parlerai brièvement à la fin de l'exposé. Mais cet ouvrage fait paysage dans tous les sens du terme, puisque d'abord il est fait de terre, ensuite il est ouvert au travail du vivant, c'est-à-dire au travail des cyanobactéries, aux algues. Tout le verdissement ici, c'est les algues. Il est exposé plein nord. Il est ouvert donc à toute la transformation et la transfiguration du vivant au sens large du terme. Et on a obtenu bien plus que ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire selon les conditions climatiques et les premières images datées de 2012 à l'inauguration du musée. Ces images datent de août 2014. Il faisait très chaud, il a beaucoup plu. Et spontanément, le minéral s'est transformé en végétal. Bien sûr, il y a eu 2 ans de production du travail des cyanobactéries, des algues. Et cette transformation s'est faite sans aucune intervention de la main de l'homme. Nous espérions à l'origine une colonisation du faîtage, comme il est d'usage. Vous connaissez tous des murs en pierre colonisés de mousse dans les campagnes. On n'en a pas eu en faîtage, mais on en a eu
en vertical. Encore des images de l'inauguration, l'érosion et une transformation radicale d'un ouvrage qui est fait pour défendre la transition et qui se dissout avec le temps en un ouvrage de paysage. Je fais une pause sur cet ouvrage parce qu'il m'a valu un nombre de difficultés très très importantes. Il était prévu à l'origine d'en faire 2 km environ, c'est-à-dire de faire tout le périmètre rapproché de défense du musée de cette manière-là. Et bien évidemment, ce qui n'est jamais fait fait toujours peur, de la même manière que la façade en aluminium à l'origine était de 7 mètres de haut, réalisée de 6 mètres de haut, effraie parce que ça n'a jamais été fait. Et donc, cet ouvrage m'a valu des difficultés. Il a été arbitré par le client, qui est la région Nord-Pas-de-Calais, d'en faire la moitié, c'est-à-dire la façade, entre guillemets, noble pour eux. Il y a toujours une façade noble et une façade moins noble, ce qui n'était pas tout à fait le concept du projet, qui est la façade nord, et de renoncer à la façade sud. Sur ce sujet particulier, donc je veux rendre hommage ici à la FFP, qui m'a soutenue dans cette bataille où j'étais minoritaire à 100%, en particulier à Michel Pena, Ariane Delillez et Sylvain Flipeau de Lille. On est tous montés en puissance jusqu'au ministère d'ailleurs, pardon, au ministère de l'Environnement, de la Culture, pardon, pas l'Environnement, pour défendre le fait que les outils de paysage, bon, avec l'expérience que j'avais de Bordeaux, sont des outils qu'il faut avancer. Et on a été entendu partiellement. Donc, évidemment, sans cet appui, cet ouvrage, vraisemblablement, n'aurait pas pu se réaliser. Et évidemment, je rends hommage aussi d'une manière appuyée à Katia Lamy, qui était l'architecte du côté du Louvre à Lens. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire un projet ambitieux de paysage sans avoir un maître d'ouvrage éclairé en face. C'est-à-dire, d'une manière générale, on répond à un programme, on répond à une question. Bien évidemment, selon les paysagistes, chaque paysagiste répond d'une autre manière à un programme. Mais malgré tout, on répond à un programme. Je pense vraisemblablement que ce projet de groupement SANA, Mosbar, Forgue, etc., n'aurait pas vu le jour sans Katia Lamy, qui est donc architecte et qui a fait toute la traduction de ce projet qui n'était, on va dire, pas très lisible. Tout le monde connaît le travail de SANA. Et il n'était pas facile à traduire pour un jury. Et bien évidemment, assurément, le parc n'aurait pas eu cette avancée sans elle et sans cette traduction. C'est une donnée importante pour dire qu'on ne peut pas être paysagiste, quel que soit son entêtement, sa capacité ou sa résistance, sans la demande d'un maître d'ouvrage qui veut que le paysage advienne et en tout cas qui veut donner les possibilités de l'expérience d'un paysage. Ça, c'est un élément qui est vraiment essentiel et qu'il ne faut pas occulter dans la manière d'engager son travail. La limite donc, verticale a été dissoute par la terre et par l'aluminium, donc deux matériaux, on va dire, en quelque sorte complémentaires dans cette clairière. La deuxième limite que l'on souhaitait dissoudre avec les architectes, c'est la limite du sol, c'est-à-dire la limite entre minéral végétal, architecture, paysage. Bien évidemment, on nous a demandé de garder toute l'eau du pluie qui tombait sur le terrain dans le sol. Le terrain est en pente sur toute la longueur d'ouest en est. C'est qu'une pente de 1%, mais une pente de 1% sur cette longueur, ça fait quand même 10 mètres de dénivelé, ce qui est un beau bâtiment, de l'extrémité ouest à l'extrémité est. Le bâtiment s'est mis au milieu de la parcelle, donc bien évidemment, il y a une pente qui va vers le bâtiment. La seule manière dont le paysagiste que je suis a trouvé pour capturer cette eau sans introduire du langage d'espace public, puisque nous voulions, et l'architecte et moi-même, rester dans un langage atemporel, pour ne pas fixer l'écriture du moment de la création de ce musée, c'était d'utiliser en fait l'ancêtre du regard qui est le trou. Si vous allez en Chine, si vous allez à Taïwan, vous regardez sur les trottoirs, vous avez des trous à la place de regard. Et c'est vraiment magnifique, c'est assez brutal, bien évidemment. Et bon, les trous, ce n'est pas fait pour s'y engouffrer, donc les trous ont une certaine dimension, mais c'est de perforer la partie minérale
Ça avait une double fonction dans le sens où on souhaitait que le bâtiment flotte dans le paysage, mais il pleut beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais, et donc mettre le bâtiment 100% sur de l'herbe et en même temps créer de l'accessibilité pour tous, pour un Louvre. Donc ça supposait de trouver des intermédiaires, de sorte que et le minéral et le végétal puissent cohabiter en bonne intelligence. Donc tous les joints, tout le travail des joints, des perforations, permettait à la fois de capturer l'eau de pluie et de l'introduire directement dans la nappe, mais aussi de permettre des résurgences spontanées de mousse. La même mousse que l'on a souhaité sur la façade de la clôture, on l'a souhaité bien évidemment sur le parvis tout autour du musée. Voici les détails au centième, je crois, qui ont permis donc de repérer ce mixage entre minéral et végétal. Je ne rentre pas dans les détails de toutes les fonctions, mais c'est ce qui donne cette image, qui est une image avant l'ouverture du musée. Vous voyez d'ailleurs que le parvis n'est pas encore nettoyé, mais je la trouve assez lunaire et assez, assez étrange. Mais je la trouve en même temps très significative par rapport au processus de mélange de genres que nous avons souhaité mettre en œuvre. Aujourd'hui, tout est évidemment très nettoyé et un petit peu plus aseptisé que ce que j'aurais aimé. Mais c'est la vie d'un établissement public, il semblerait. Sur cet ouvrage, la pression était évidemment très forte au moment du chantier, puisque bien naturellement, le maître d'ouvrage était très inquiet et stressé de l'aboutissement de ce bâtiment. Tout ce qui est proposé en paysage est polyvalent, c'est-à-dire il n'y a jamais qu'une seule fonction pour un seul objet, pour la simple raison que l'exigence technique était très pointue. Et en substance, cette exigence technique ici, c'était à la fois ces fameuses gouttes qui sont un peu plus grosses que d'habitude pour des événements exceptionnels, mais aussi, et les 10 ans qui ont suivi ont prouvé que ça pouvait être utile, la ceinture de sécurité du bâtiment devait être aussi près du bâtiment, puisque le bâtiment est en verre, et que déjà à l'époque, la crainte de malheureusement, ça s'avère vraisemblablement utile, la crainte de voitures béliers était déjà très prégnante dans les responsables de sécurité du Louvre. Et bien évidemment, les architectes et les paysagistes que nous étions, nous ne voulions pas une ribambelle de potelés pour faire barrage à des gens un petit peu fragiles qui pourraient avoir envie de se lancer dans cette façade. Et donc, ce qui servait à la fois de capturer l'eau, servait aussi de merlon pour planter les voitures béliers qui auraient eu envie de se lancer dans cette façade. L'appropriation de ces merlons s'est faite d'une manière aussi pour le pique-nique et pour des assises spontanées qui ont toujours une très grande liberté d'appropriation. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà d'autres formes de perforation. Donc, on est donc sur le parvis ouest. Il y a une pente quand même de 3-4% qui va vers le bâtiment, c'est pas rien. Des trous qui se transforment en mini-étangs. Des micro-jardins qui avaient pour vocation à l'origine, et j'espère qu'on y viendra, de trouver des articulations avec la représentation des jardins dans les objets d'art qui sont présentés à l'intérieur des galeries. Des liaisons donc des liaisons douces qui se transforment selon les événements atmosphériques dans d'autres choses que simplement des passages. Et tout cela participe évidemment à la transgression des limites et à d'autres ouvertures d'appropriation que ce qui était à l'origine prévu, d'aller simplement d'un point à un autre. La manière de traverser cette parcelle, puisque au final c'est quand même une parcelle, c'est aussi une manière de traverser les temporalités, puisque les temporalités qui associe à la fois l'économique, l'environnement par la recolonisation spontanée des plantes et la strate culturelle, puisqu'inévitablement ce musée introduit une strate culturelle. Et le mélange, en tout cas, ce qu'on dit en anglais, intermingling, c'est-à-dire la manière d'interférer en permanence l'humain avec le végétal, le paysage et l'architecture,
est évidemment un vecteur pour aider les gens à s'ouvrir sur ces différentes temporalités et à ne pas se fixer uniquement dans le présent. En tout cas, c'est l'hypothèse de travail. Voici le puits emplacement où les gens descendaient pour aller travailler dans la mine. À l'origine, c'était du projet, c'était prévu une place un petit peu plus sophistiquée, on va dire un petit peu plus dessinée, mais quand même un lieu de mémoire. Le fait que la stabilité du sol est très fragile et que aujourd'hui encore, 30 ans après la fermeture de l'activité, on craint des affaissements puisque les sols sont très instables. Ça s'est transformé d'une manière un peu plus presque brutale, en tout cas brute, dans un creux avec une place tout autour. C'est le centre de gravité de l'établissement qui est devant le bâtiment, donc je dirais le vide qui est laissé ouvert aussi à une appropriation. Et il se trouve que beaucoup de gens viennent s'installer dans ce creux. C'est en effet d'ici que l'on voit toute la dimension d'est-ouest de l'équipement et de l'installation architecture-paysage. Le choix de l'asphalte pour cet endroit est aussi un choix volontaire. Il fallait sortir du registre du confort et du registre fixe aussi du béton, par exemple, ou d'un autre matériau. Et l'asphalte, enfin l'enrobé au sens large du terme, permet aussi une colonisation spontanée d'algues et de mousse, puisque d'une manière générale, tout a été fait pour que les limites et tout ce qui divise soit dissous par le travail du temps. Ça se passe plus ou moins bien, puisque les gens qui entretiennent ce jardin ont des pressions phénoménales pour faire que ce soit propre et net et clean, puisque c'est, a priori, c'est un petit peu quand même ce qui est attendu. Donc, quand ça déborde, on les oblige un petit peu quand même à nettoyer et à mettre de l'ordre dans ce qui n'est pas contrôlé, ce qui est un petit peu en contresens, évidemment, par rapport à l'intention initiale. On change de climat, de registre et de capacité aussi. On est à Taïwan, c'est une île. Ce sont des images de concours. On est dans un climat tropical humide. Il fait très chaud, il pleut énormément. Il y a des typhons, la terre tremble, la terre bouge en permanence. Les gens sont habitués, quand ils sont dans leur lit, à bouger soit en horizontal, soit en vertical. Je l'ai moi-même expérimenté, On leur apprend à la petite enfance ce qu'il faut faire. Quand ça bouge horizontal, ce n'est pas grave. Quand ça bouge vertical, il faut commencer à ne plus bouger et à rester à l'intérieur. Pour des gens comme nous qui sommes habitués à ce que tout est fixe et stable et être dans un confort de pérennité, je dirais presque capitaliste, c'est un peu surprenant. Nous savions ça à l'origine, au moment du concours. Le parc fait 70 hectares. Du nord au sud, c'est 4 km. Il faut plusieurs heures pour y aller. Je crois que moi-même, je ne l'ai jamais fait. On est découragé en cours de route. Là aussi, vu la fragilité et les contraintes du climat, on nous a demandé de garder l'ensemble des déblais du terrain sur le site. Déblais du terrain qui sont liés à la gestion de 250 hectares de renouvellement urbain. J'ai oublié de dire que c'était un aéroport. Donc là aussi, la pente fait 1% du nord au sud, mais là aussi, c'est un énorme dénivelé, même si 1%, c'est rien pour une pente d'espace public. Le renouvellement urbain, comme à Munich, comme à Berlin, a été dessiné, en tout cas pour ici, par Stan Allen, un architecte américain. C'est lui qui a organisé le concours du parc. Comme souvent, c'est le parc fait l'attrait de tout ce qui est valeur patrimoniale de la régénération, c'est-à-dire de l'investissement immobilier. Donc c'est le parc qui est fait en premier, avant les opérations immobilières. 250 hectares d'eau de pluie, quand on est en tropical humide, c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup. Et donc, il fallait faire des creux et des bosses. En tout cas, c'était notre projet. Donc on a gagné avec Philippe Ram en 2011. C'est un concours international ouvert, puis restreint sur 6 équipes, je pense. Et ces creux des bosses ne sont pas simplement des micro-creux, des micro-bosses, c'est des bosses qui font 2 hectares, hein, donc ils sont plutôt des collines et des montagnes. Traditionnellement, en tout cas souvent, on pense qu'un parc, il faut des courbes. En tout cas, c'était l'hypothèse de l'urbaniste Stan Allen. Et comme les grands parcs, ils sont traversés par des voiries.
Comme je le disais au début, les paysagistes, on déteste être perturbés dans un registre de paysage. Et donc, j'ai tout fait pour dissoudre cette traversée de voirie et pour qu'il y ait un continuum nord-sud, 100% continuum à pied, sans être perturbé par des... Enfin, au minimum, par le trafic, puisque des voiries comme à New York, Central Park, c'est un peu agressif. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui des zones de rencontre où tout est doux. Et la manière de m'affranchir de ce trafic un peu violent, c'était donc de faire ces ouvrages. C'est des ouvrages d'art, en fait, c'est des ponts, des tunnels, mais qui n'ont pas vocation à s'afficher en ouvrages d'art, qui sont donc plutôt des collines et des montagnes. Et qui permettent de récupérer le bilan négatif, enfin, équilibré des déblais et des remblais. Mais c'est ce qui permet aussi à bloquer l'arrivée d'eau brutale des typhons sur une pente de 1% et à créer des vrais barrages d'eau, avec des bosses, des creux qui sont des lits topographiques. Mais évidemment, ces cinq macro-bosses ne suffisent pas à arrêter. Il fallait aussi des micro-topographies sur 20 cm sur toute la longueur du parc pour freiner tous les écoulements et les infiltrer dans la nappe phréatique. Ici, comme au Louvre, mais pas pour les mêmes raisons, au Louvre, c'est le travail de la mine qui a fragilisé la nappe phréatique et qui a fragilisé le sous-sol. Ici, c'est la nappe phréatique est sèche du fait de l'arrachage de toutes les forêts pour des raisons de production économique. Et du coup, sur le court terme, il y a des très grosses problèmes de défaut d'eau potable par déséquilibre de gestion du patrimoine environnemental. Donc le fait de capturer l'eau de pluie pour pas qu'elle soit évacuée, comme dans tous les climats tropicaux humides, en accéléré, parce qu'il y a énormément d'eau qui tombe en très peu de temps, c'est à la fois pour freiner l'eau, pour pas qu'elle aille provoquer des inondations en aval, mais aussi pour nourrir immédiatement la nappe phréatique et remettre un circuit d'eau potable plus confortable. Vous avez ici trois situations régulières, exceptionnelles et vraiment exceptionnelles. Vraiment exceptionnelles, tout le plissement des 20 cm que vous avez vu en zoom, c'est toutes ces lignes violettes qui sont des topographies de 0,20 cm qui permettent de freiner l'eau environ tous les 20 à 30 mètres carrés. La situation régulière est que l'eau se met en charge dans les lits topographiques, c'est-à-dire aux bosses sont associés des creux très longs. La situation exceptionnelle, c'est que le parc se couvre d'eau de 80%. Ce sont des situations que vous voyez quand vous voyagez en train, où les prés se mettent en charge quand il y a beaucoup, beaucoup de pluie. Dans la situation de ce parc, donc 80% de parc peut être inondé en période exceptionnelle de typhon. Ça veut dire que vous traversez selon des chemins qui sont toujours hors eau, mais des emprises complètes sous eau. Je ne l'ai pas encore vu. J'espère que je vivrai assez longtemps pour avoir ce genre d'expérience. Je pense que ça peut être assez impressionnant. On est en plein centre-ville quand même. Je veux dire, ce n'est pas Central Park, parce que Central Park est évidemment beaucoup plus grand encore. Je crois. C'est que 70 hectares, mais tout est relatif. Mais vous avez tout autour des campus universitaires, des centres financiers, etc. Bien évidemment, tout ça s'accompagne d'équipements d'accueil pour les nouvelles populations. À l'origine du concours, il y avait une double dimension qui est le travail sur le design d'installations que Philippe Ram a nommées des installations climatiques et le travail sur le design de la lithosphère que je viens de vous développer. L'hypothèse de travail est que dans ce type de climat, les gens passent leur vie. Le loisir, c'est d'aller au centre commercial. Ce n'est pas d'aller dans un parc, c'est d'aller au centre commercial parce que c'est climatisé et qu'en plein été, c'est insupportable d'être dehors. Vous êtes en nage en 10 minutes, ce qui n'est pas très agréable. Et donc, on a associé avec un logiciel de simulation que Stransolar utilise énormément, à la fois, il a été utilisé au Louvre en substance pour la climatisation des salles, des galeries d'art, et ici, les climatiser à l'échelle urbaine, de faire une simulation des ombres portées de la future façade urbaine, c'est-à-dire du futur développement urbain sur le parc, des nouvelles topographies du parc pour identifier les emprises les moins exposées au soleil,
avec bien sûr l'incidence des arbres. Les emprises les plus éloignées du trafic, donc les moins polluées par le trafic, les emprises les plus éloignées des bassins, des étangs, temporaires ou permanents, pour être le plus éloignées de l'humidité. L'ensemble de ces paramètres qui sont donc mis en situation en associant l'urbain, l'environnement avec le végétal et la topographie, les activités avec le trafic, pour désigner des aires de confort, c'est-à-dire des territoires de confort, de sorte à accentuer par des technologies de climatisation des zones les moins chaudes, encore moins chaudes, les moins humides, encore moins humides, les moins polluées, encore moins polluées. Il se trouve que suite à la réalisation de prototypes des installations que Philippe Ram disait climatiques, c'est les devices, climatic devices, le nouveau maire n'a pas donné suite à cette dimension de dialectique entre l'environnement et la haute technologie et préférait se rabattre. Enfin, il trouvait que le résultat, sans doute, il s'est focalisé sur le design très, très, on va dire, expérimental de ces installations climatiques. Et il pense, à l'évidence, pour eux, le résultat de la nuance du plus ou moins chaud, du plus ou moins humide et du plus ou moins pollué n'était pas évident. Bien évidemment, quand on a fait les prototypes des climatic devices, il n'y avait pas les arbres, il n'y avait pas toute l'installation du paysage, qui était évidemment complémentaire dans le résultat des zones de confort. Et il nous a demandé de remplacer ces installations climatiques par des installations plus liées à la relation au corps, la relation du paysage au corps. Et on revient à cette dimension de la relation de l'échelle humaine au paysage. Quand je dis faisons paysage, c'est bien évidemment l'extérieur et les habitants de ce paysage qui sont liés ensemble. Donc le client nous a demandé, il était très inspiré, enfin il est très inspiré par le philosophe Steiner qui propose des systèmes éducatifs parallèles, de proposer des installations sur les 12 sens qui ont littéralement remplacé les installations climatiques de pondération de chaleur, d'humidité et de pollution. J'introduis ce changement de programme à ce niveau-là parce que quand je disais tout à l'heure que les ouvrages en paysage ne sont jamais monospécifiques, enfin en tout cas c'est la posture que j'essaye de développer, vous avez ici les collines, en fait, les ponts, les tunnels qui permettent le franchissement des grands axes de transit d'est-ouest. Ici, le grand centre financier. Ici, le campus universitaire. Ici, le campus de haute technologie. Qui sont donc des ouvrages qui font 2 hectares. Qui, en dessous, sont des espaces publics, puisque un ouvrage, c'est comme une tente, en fait. Et que quand vous allez de l'extérieur sous cette emprise, c'est comme quand vous rentrez dans une cathédrale, dans un monde occidental, vous sentez immédiatement l'emprise de confort entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ce sont à la fois des éléments de paysage, de continuité, et ce sont des grands espaces publics qui peuvent accueillir de l'événementiel en sous-œuvre que nous avons nommé, pardon c'est en anglais, excusez-moi, Northern Lounge, qui est, non, celui-là, je reviens en arrière, Northern Lounge, qui est donc ici, Eastern Spiral, Middle Yard, Eastern Sky Dome et Middle Clearing. Ce sont des noms qui sont liés au paysage, mais qui sont en même temps, je dirais, des monstres d'ouvrages d'art. Le but, ce n'était pas de faire des ouvrages d'art, en aucun cas. Le but, c'est de faire du paysage. Donc là encore, ça prendra un peu de temps, mais la manière de dessiner ces ouvrages, c'est des courbes, c'est pas des courbes de niveau, mais c'est des lignes, donc c'est des outils de paysage qui ont évidemment profondément perturbé les ingénieurs qui ont plus l'habitude à des choses plus architecturales. Il était essentiel pour moi de dessiner ces ouvrages comme du paysage pour qu'ils deviennent paysage, c'est-à-dire il n'était pas question de faire la promotion d'ouvrages d'art, c'était pas du tout l'objectif, mais j'avais besoin de ces outils pour créer la dimension de paysage qui était indispensable. Nous sommes ici sous Northern Lounge, qui est donc ce qu'on a
brutalement ce qu'on appelle le pont 1. Une déception, puisque nous avons changé d'ingénieur entre le concours et la réalisation. Pour des raisons économiques, les budgets alloués et en réalisation et en honoraires de ce parc n'ont rien à voir avec les calibrages français et européens. Si je le dis brutalement, on paye pour travailler, donc ce qui n'était pas acceptable pour des ingénieurs comme Transola. Mais par contre, le résultat est aussi différent, c'est-à-dire, évidemment, il n'était pas envisagé au moment du concours et au moment de preliminary design, c'est-à-dire l'équivalent d'avant-projet, d'avoir des poteaux. C'était une voûte libre, sans poteaux. Mais ce n'est pas du tout les mêmes technologies. Je souhaitais faire un coffrage en utilisant le déblai remblé comme Nishizawa sur l'île que tout le monde connaît, le très bel ouvrage. Mais là, les ingénieurs locaux qui ont repris la main n'ont pas du tout ce niveau d'expérience. Et donc, on est revenu à une structure traditionnelle poteau-voûte. Pour dissoudre à nouveau l'aspect infrastructure et l'aspect structure, puisqu'encore une fois, le but n'était pas de faire de l'architecture, les poteaux ont plusieurs dimensions et tout a été fait pour qu'il y ait une continuité entre les masses arborées à l'extérieur, c'est-à-dire en clair les troncs des arbres et les poteaux sous la voûte. Donc il y a une continuité, on passe d'une couverture de feuillage à une couverture architecturée. Celui-là est très très impressionnant. Ce sont des photos qui datent d'il y a un an. Les architectes, s'il y en a dans la salle, voient immédiatement la faiblesse du niveau de réalisation. Mais bon, voilà, ils construisent comme ça là-bas. À un moment donné, on ne peut pas se battre contre tout. Vous avez ici aussi, d'une manière un peu plus spectaculaire qu'au Louvre, les déblais remblés qui sont prévus en équilibre sur cet ouvrage. Eastern Spiral, c'est une rampe qui monte donc le long du trafic. On est sur l'emprise du trafic ici, un trafic urbain que j'ai essayé d'imposer, j'espère que j'y arriverai, en zone de rencontre, c'est-à-dire 30 km/h. C'était très long, très dur, je ne sais pas si je vais y arriver. On n'arrête pas de m'opposer que Taïwan, ce n'est pas Paris. Mais bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours d'actualité. Les documents qui sont au 200e, je passe un peu rapidement, je ne surveille pas trop le délai, où vous voyez donc tout le travail de la lithosphère, c'est-à-dire du nivellement tous les 20 cm d'épaisseur, mais aussi les lits topographiques qui sont remplis évidemment de plantes phytorémédiantes, puisque toute l'eau qui vient de la ville est polluée, bien évidemment, et avant qu'elle retourne au lit de rivière, plus bas, il fallait la traiter. Évidemment, à Taïwan, plus qu'en France, déjà au Louvre, ce n'était pas gagné, mais personne n'a jamais fait un parc où on exige une implantation au millimètre près, des chemins au millimètre près. Donc évidemment, il y a des surprises. Donc pour eux, c'est un peu... Ils le font en architecture et encore. Pour le parc, ce n'est pas gagné. La promenade qui fait 800 mètres de long, qui relie le campus de haute technologie au campus universitaire à l'ouest. Et toutes ces lignes sont des joints de 20 cm, les mêmes que ceux du Louvre, pour attraper l'eau. Tous les petits rectangles, ce sont des regards de visite. Je pense qu'on va souffrir pour faire ça. Mais en même temps, c'est la condition de l'échelle d'un paysage. Pour qu'il soit effectif malgré les aléas de chantier sur le site. Cette partie-là est sur dalle, donc avec un parking en sous-œuvre qui était le futur parking de la tour de Taïwan, qui a été éliminé entre-temps, qui a été gagné par Su Fujimoto, mais que la nouvelle mairie a supprimé. Très rapidement, bien évidemment, on fait ces ouvrages pour les gens. Les populations, les nouvelles populations, voilà les 12 sens qui ont été demandés donc selon les préceptes de Rudolf Steiner, qui est une philosophie du 19e siècle. Mais bon,
apparemment qu'il y a toujours beaucoup d'émules et il y a beaucoup, beaucoup d'équipes, enfin d'enseignements, y compris à Taïwan. Le maire a deux jeunes enfants et ses enfants sont éduqués sous ces préceptes. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y en a 12. On les a évidemment associés aux territoires de confort qui sont identifiés par un cheminement qui relie toutes les parties qui sont dans les territoires les plus frais, qui sont évidemment accompagnés d'arbres et de végétaux qui diminuent la chaleur selon les caractéristiques physiologiques des arbres. La même chose pour le cheminement qui relie les territoires de confort les moins humides et les territoires de confort les moins pollués, qui sont plus destinés à la petite enfance. Je passe un peu rapidement. Donc, il y a ces installations qui sont liées aux parties les plus hautes du parc. On les voit, quand on y est, on voit de très loin la superposition des horizons du parc avec la superposition du skyline de la ville. L'expérience de la parole avec la possibilité de l'écho ici, du goût en face du centre culturel de Taïwan, de l'écoute, du son, de l'équilibre, de la pensée. Je vous les montre en même temps. Donc ce sont des installations qui sont à la fois des pavillons, à la fois des expériences que l'on fait donc avec son corps en allant dans des... Ça, par exemple, c'est le thinking, c'est-à-dire c'est la pensée. On est dans le cœur d'une de ces collines avec des lumières verticales. La vision filtrée à travers des spectres de couleurs. Des expériences qui sont associées au territoire de confort où il y a moins d'humidité, qui sont liées à la transformation de la perception quand on va du bas vers le haut. Donc le corps traverse des structures en bois et s'ouvre donc dans une situation très concentrique et repliée au sol vers une situation au-dessus des cimes, d'extériorité et d'ouverture sur le paysage. Et enfin, des installations qui sont plus liées au rythme quotidien, exposées à la lumière des heures du jour et aux saisons, il y a quand même des saisons, avec le toucher, la relation au chaud, l'odorat et la vie. Donc vous voyez que ce sont des pavillons toujours dessinés par Philippe Ram, où on est dans des relations très privilégiées à de l'expérimental, selon des spectres de lumière et de filtres spécifiques. C'était il y a 2 ans, je crois. Ça vous donne un peu l'échelle des ouvrages. On est en tropical humide, donc il suffit de laisser la terre reposer quelques mois et les plantes ressurgissent spontanément, un peu plus rapidement qu'au Louvre. Au Louvre, ça a mis 1 an, ici, ça met 2-3 mois. Vous avez ici, on va dire, 20% du parc. 25%, allez. Le Eastern Spiral, Northern Lounge, qui fait 2 hectares. Le gros morceau ici, qui fait aussi à peu près 2 hectares. Et vous le voyez, enfin, vous voyez la lecture, le contraste entre l'effort du paysage et l'effort de l'urbanisme, c'est-à-dire l'urbanisme, en tout cas celui-là, je ne sais pas si on peut faire autrement, je ne suis pas urbaniste, bah, il met tout en ordre. Et il faut que ça marche, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit rangé. Et là, on voit bien la relation. Enfin, vous imaginez une voie de 20 mètres qui traverse un parc. C'est méchant. Enfin, en tout cas, pour les paysagistes, c'est méchant. Et je pense que, enfin, j'espère en tout cas, que ces deux morceaux, en tout cas ici, de paysage, arrivent à changer le comportement des gens et à les faire ralentir et partager l'espace comme on fait en Europe, en France. La place de la République en est un exemple particulier. On ne reconnaît pas encore toutes les... Ici, vous aurez un bassin permanent, mais on voit bien le travail donc de positif et négatif entre les ouvrages qui franchissent et les creux qui sont faits pour attraper l'eau et la garder sur place. C'est un peu utopique d'appliquer, mais bon, on ne change pas, enfin, c'est difficile de changer ses manières de travailler. C'est-à-dire, le niveau de détail de ce projet est le même que le niveau de détail du Louvre, le même que le niveau de détail de Bordeaux. Mais évidemment, sur 70 hectares, c'est très compliqué. En fait, il faudrait une armée derrière chaque personne qui construit, ce qui est évidemment impossible. Donc, il y aura des aléas.
On revient en Europe. Ce projet a duré de concours 3 ans. À nouveau, c'est une constante chez moi. Une interface archi-paysage transgressive, si j'utilise le bon mot. Ce projet est très important à mon sens parce que c'est l'école, c'est l'agrocampus, donc le plateau de Saclay où travaille Michel Desvignes, urbaniste en chef. On y fabrique ici des ingénieurs de biologie, des ingénieurs de forêt. Donc, en fait, l'école où on apprend la relation au vivant. Donc, je me disais, un paysagiste, là-dedans, il doit dire des choses. Ce serait bien que l'école, le campus, représente l'enjeu que ces gens-là ont à développer dans la relation à l'agriculture, dans la relation à la forêt, dans la relation à la biologie, à tout ce qui est transgénique, etc. Bon, on a perdu aussi. Je ne sais pas pourquoi on le saura un jour. Donc, ça, c'est le comment dire, les résultats du concours sont officiels. Donc, on n'est plus dans un registre confidentiel. Voilà le plan masse. Les architectes sont Henning Larsen de Copenhague, avec Brunet Saunier de Paris. C'est un crêpe, ça veut dire que l'entreprise, c'est conception-réalisation. C'est un campus, donc c'est l'État quand même. Les prescriptions du paysage étaient assez importantes, puisque l'urbaniste est un paysagiste. Il s'agissait de respecter, entre autres, l'axe central qui est aussi très très long et qui traverse l'ensemble des installations. Nos architectes ont souhaité créer des pavillons dans un parc. La parcelle fait 4 hectares. Il s'agit à la fois d'accueillir une école, des laboratoires, des bureaux. Et tout ça dans une relation avec 2 établissements de recherche, et donc une population à la fois estudiantine, à la fois de gens qui vont travailler, à la fois de chercheurs qui travaillent dans les laboratoires à longueur de journée. Et donc les architectes souhaitaient différencier tout ce qui était laboratoire en ceinture périphérique et tout ce qui était bureau en pavillon dans un jardin, pavillon en bois dans un jardin. Et l'outil conceptuel que j'ai trouvé pour être à la fois articulé à la grande perspective de Michel Desvignes et à la fois faire cohérence de la parcelle, c'est-à-dire qu'il y a une unité et que les chemins ne divisent pas, c'est-à-dire que la circulation, le déplacement régulier, quotidien et exceptionnel ne divise pas la parcelle, c'est la figure du champ. Oui, il était important pour moi que le travail du paysagiste fasse emblème, c'est-à-dire en fait que les gens qui viennent de l'extérieur, de l'international, on sait aujourd'hui que toutes les grandes écoles sont en compétition internationale et que l'endroit où ils vivent, l'endroit où ils étudient, l'endroit où ils travaillent, parle de ce qui les préoccupe. Et donc, la seule chose que j'ai trouvée, c'était un peu long. Au début, c'était plus lié au fluide, mais ça inquiétait, affolait tout le monde. Je voulais que, à l'origine, la première hypothèse, c'est que les fluides du bâtiment soient destinés en extérieur et représentent s'articulent avec les fluides du jardin. C'est-à-dire que, en clair, le système nerveux du bâtiment soit lié au système nerveux du jardin. Et donc, tout le monde a été très, très stressé. Je suis revenue en arrière sur quelque chose de plus traditionnel, la figure du champ, qui gère évidemment à nouveau l'eau, puisque l'agriculture, le sol, la terre, la manière de capturer l'eau, mais aussi de laisser des résurgences spontanées qui sont liées à l'agriculture, c'est-à-dire la production de plantes pour l'alimentaire. L'eau, la figure du champ fonctionne avec la gestion de l'eau ici encore. Donc ce sont des sillons de culture, hein, qui attrape l'eau et qui l'infiltre au plus proche de là où on cultive les plantes. L'ensemble se contamine, bien évidemment, enfin c'est mieux, c'est ça se contamine, pour produire du végétal et la continuum du jardin. Le jardin est extrêmement étroit, vous avez vu, on change d'échelle, hein, on est dans 4 hectares de parcelles et on est dans optimisé, j'ai réussi à sortir 2 hectares d'emprise jardinée, ce qui est énorme par rapport à la demande bâtie, mais aussi pour faire en sorte qu'on est toujours dans des relations de fuyante et qu'on n'est jamais enfermé dans du bâtiment, dans de l'architecture. Donc tout ça se contamine pour faire des disséminations à la fois au sol et à la fois en toiture, puisque la seule manière de s'affranchir des limites, c'est évidemment d'investir le sol, mais aussi d'investir les toitures pour que partout où qu'on aille, on soit en relation avec des frondaisons ou avec le végétal pour dissoudre la limite construit, pas construit.
Là encore, hein, je ne vais pas détailler les hypothèses construites, mais bien évidemment, les toitures sont évidemment aussi l'accueil de tout ce qui est faune, flore sauvage, mais aussi moins sauvage avec les abeilles, la pollinisation, enfin vous savez tout ça avec l'agriculture urbaine. Mais, et puis le tout, bien évidemment, c'est pour accueillir des gens qui travaillent, c'est-à-dire c'est pas pour faire des corps, c'est pour faire des lieux d'appropriation aux bureaux qui sont directement en relation étroite avec les terrasses, mais aussi au lieu de conférence, ce que les architectes ont appelé l'interface, pour des lieux de rassemblement dans le cœur du campus qui se trouve donc en toiture terrasse ici. Pour que ça marche, il fallait qu'il y ait une stratification du végétal, bien entendu, mais aussi des toitures avec des expositions. Donc tout ça, c'est des terrasses du bâtiment, des expositions qui sont très différentes et des appropriations d'installations végétales qui sont évidemment appropriées aux expositions plein soleil, semi-ombrage ou sous couvert de sous-bois, avec des installations spontanées de sous-bois, y compris des possibilités de champignons. Je passe. Donc la dissolution des limites en horizontale se fait par les possibilités de fuyantes. Bon, les architectes ont fait en sorte qu'on ne soit pas, malgré l'occupation très dense, c'est vraiment une occupation très très dense du bâtiment, mais qu'on puisse, dans des zones de repli, laisser des résurgences spontanées de plantes comme les ombellifères ou ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils soient totalement laissés ouverts à tout ce qui peut s'y ensemencer spontanément. Les stratifications verticales qui sont essentielles pour qu'on y croit, parce que sinon on est évidemment enfermé entre des murs, avec des équipements qui sont en terrasse, qui sont toujours polyvalents, encore une fois, c'est-à-dire le sac de poubelle peut devenir un sac de compost, peut devenir un massif de genêts ou d'autres choses, ou de plantes aromatiques. Si possible, l'introduction d'animaux et la relation donc de la dernière façade, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cinquième façade, avec évidemment des parcelles de recherche pour les chercheurs. Enfin, je rentre pas dans le détail du programme. Et la partie plus, la partie du champ qui est ouverte plus à la notion d'espace public, ouverte aux étudiants donc, ces terrasses sont accessibles uniquement par les chercheurs et les bureaux. Et la terrasse de l'interface est uniquement accessible par les étudiants. Les images du concours, donc, avec des pavillons en bois et un traitement de façade qui permet toujours le reflet des jardins. Tout ça pour dire que la dissolution des limites et le fait de faire paysage ou jardin, ce n'est pas lié à la surface. C'est-à-dire que c'est vraiment lié au concept et aux outils qu'on utilise pour justement s'affranchir de la division des fonctions, de la séparation des tâches. C'est vraiment très, très étroit, ce que vous voyez. Et ce n'est pas moi qui ai fait les images. Bon, c'est moi qui ai dessiné le projet, mais les images sont faites, comme toujours, par des gens qui font des perspectives. Mais il n'y a pas beaucoup, pour ne dire pas du tout, de mascarade. C'est-à-dire que c'est vraiment le projet qui est représenté tel que. Et encore, il est sous-évalué parce que, comme vous le savez tous, les architectes sont très effrayés quand les plantes cachent les bâtiments. Donc on peut dire qu'ils ont encore enlevé quand même pas mal d'arbres. Parce que sinon, on ne voyait pas l'architecture et ça ne va pas du tout. C'est pas raisonnable de ne pas voir l'architecture. Mais dans les faits, les bureaux sont dans les arbres. Dans les faits, on ne voit pas un seul centimètre carré de façade. Bon, c'est plus joli de voir la façade, j'en conviens. Mais bon, je peux le dire ici, on n'est pas chez le client. Mais on a perdu, de toute façon, peut-être que c'est ça. Évidemment, tous ces traitements sont des traitements d'accès anti-incendie, que ces bandes, ce sont des bandes d'accès pompiers. Il y a les cycles longs, évidemment, qui introduisent la dimension patrimoniale du jardin. Et ici, ça a encore plus de sens, puisque, encore une fois, on est dans un campus d'agrocampus, donc les arbres participent bien évidemment de la dimension patrimoniale. Le nombre d'arbres était très précisément quantifié par le paysagiste en chef de la ZAC. L'implantation donc associée, tout le monde sait ce que c'est ici, la permaculture, l'association entre les arbres, les arbustes, la manière dont toutes ces choses-là sont complémentaires, etc., en termes de biologie et d'équilibre physiologique.
Évidemment, les équipes, c'est fait pour les gens tout ça, hein. C'est pas fait juste pour les animaux, mais ça suppose un équipement qui est là encore polyvalent, mais qui ne ramène pas au mobilier urbain qui très très vite est quand même démodé. Pourquoi ça a plu, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, c'est que dans l'idée, c'était de pouvoir faire de l'événementiel et un support de communication de l'ensemble du jardin pour les étudiants. C'est-à-dire un jour, s'ils voulaient faire une fête et mettre 100% de tournesol, ils pouvaient le faire. Toutes ces bandes qui sont à la fois les sillons de drainage sont des sillons de culture qui peuvent se transformer comme il s'est passé pour les Champs-Élysées pour faire de la communication par la FNSEA. C'est-à-dire d'un coup, toutes les Champs-Élysées sont devenues des champs de maïs ou de tournesol. Et donc, entre les bandes d'herbe, les sillons pouvaient totalement recevoir pour une fête, pour un colloque, pour de la communication, une plante spécifique qui transformait radicalement l'espace du jardin en espace de culture. Voilà tous les types de plantes qui pouvaient être mobilisables selon les saisons pour communiquer. Tout le monde connaît cet exemple d'un campus en Chine où les gens, l'espace du campus est un champ de riz et où les gens se retrouvent au milieu d'un champ de riz. Donc cette dimension-là du jardin comme un outil de communication et de contenu était essentiel pour moi, en tout cas pour cet établissement. Bon, évidemment, il y a les cycles courts qui sont les emprises événementielles, tout ce qui est lié aux contraintes d'accessibilité de pompiers devient des plateformes pour faire de l'événementiel, des fêtes, comme ici. Dans les petites villes, je suis perdue. Saint-Antonin. C'est une fête pour les paysans à Saint-Antonin. C'est une fête du foin. Et sous une place régulière, vous avez des tablés avec 100 personnes à table. Et donc, c'est tout à fait possible dans ce type de... Je dépasse peut-être largement mon temps de parole. On va se dépêcher pour la fin. Donc, avec du paysage en chambre, encore les images d'un campus pour des agronomes, donc des biologistes, etc. Un peu trop sophistiqué à mon goût, mais là, du coup, les persmen ont pris de la liberté de parole, je dirais. L'exemple suivant est un exemple en chambre, mais qui fait l'articulation avec l'expérience du Louvre. Je ne suis pas sûre que j'aurais fait ça sans l'expérience du Louvre. C'est la Triennale de Milan, 2016. Le titre de cette expérience, c'est In the Net of Desire. Excusez-moi, c'est encore en anglais. Voilà la vue de l'ouest de Saclay. Le fameux axe de Michel Desvignes, je crois qu'il fait 4 km de long, mais je ne suis pas sûre. D'où vient cette idée de l'installation de Milan? Les problèmes ont commencé au Louvre, ça vient du Louvre. Ils ont commencé au Louvre au moment du démarrage du chantier. Le bâtiment était au milieu d'un parc avec des arbres existants. Bien évidemment, les arbres existants en lisière ont évidemment initié les hypothèses du parc. Et que bien évidemment, tout le monde étant stressé par le bâtiment, les engins et tout ça, ils n'en avaient que faire des parcs, des arbres, et ils fonçaient dans les arbres. Et donc, quand on est paysagiste, on commence à être très, très stressé. Quand on voit que personne ne voit les arbres, qu'on veut garder, bien sûr, qui ont 30 ans, c'était pas des arbres de 100 ans, mais c'était des arbres de 30 ans, et on est bien content d'avoir des arbres de 30 ans quand on commence un parc. Et donc, je suis allée voir le client. Et je lui ai dit, si ça continue comme ça, ça va mal se terminer parce que je vais me crisper et je vais hurler. Et ça ne peut que mal se terminer. D'ailleurs, ça ne s'est pas bien terminé. Et je lui ai dit, on va trouver une astuce pour que ça se passe au mieux possible. Et je lui ai proposé une installation de son avec ces mots. C'est-à-dire, quelque part, quand on fait un projet de paysage, évidemment, il y a beaucoup de choses dans la tête, il y a beaucoup de choses qui se fabriquent au jour le jour, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'intuition et qui sont du désir, parce que
ce n'est pas toujours très rationnel. Vous utilisez évidemment des outils de design, mais il y a quand même, enfin, il faut y croire quoi, pour y aller, sinon vous n'y allez pas. Il y a beaucoup trop d'obstacles pour qu'on vous dise vous ne pouvez pas y aller. C'est pourquoi ça s'appelle In the Net of Desire. Je voulais, enfin, j'ai proposé de faire une installation son au client Nord-Pas-de-Calais, donc au directeur du service de construction, où on a proposé ces mots que j'ai traduits dans toutes les langues. Enfin, on va dire pas toutes les langues, ça n'existe pas, mais dans 12 langues. Et je voulais inviter les ouvriers de toutes les entreprises à participer à cette installation solaire pour les sensibiliser à la manière dont ils doivent travailler et là où ils travaillent. J'étais bien sûr très naïve. Je pensais que ça allait marcher. Bien évidemment, le client a accepté ça très, très ouvertement. Mais bien évidemment, ça ne s'est pas fait. Parce que je ne sais pas quoi. Parce que quand il faut sortir un bâtiment, on est pressé, on n'a pas le temps, on a des problèmes. Et que commencer à demander aux ouvriers de toutes les nations de dire une phrase le matin ou le soir, ça commençait à être autre chose que... Et cette expérience, évidemment, les arbres ont été déracinés. Le peu qui ont survécu, il a fallu faire une expertise pour dire qu'ils étaient survivants et qu'ils n'allaient pas tuer quelqu'un. Ça me paraissait très important de traduire cette dimension de la manière dont on se comporte, peu importe que ce soit un chantier ou que ce soit qui que ce soit, dans l'environnement dans lequel on vit, dans cette triennale de Milan, qui supposait que le titre de la triennale, c'était « Architecture as art ». Bien évidemment, j'ai associé à cette installation sonore qui a été faite par un garçon, un musicien qui s'appelle Chandor Curic, qui l'a mis en scène d'une manière aléatoire, l'ensemble des langues, au travail des cyanobactéries, qui est donc à l'initiative de la colonisation des plantes sur le mur en terre du Louvre. Et j'ai fait cette installation donc pour montrer le travail de l'invisible. Mais cet invisible qui fait qu'il y a des plantes sur Terre et que ça marche et qu'on respire et qu'on vit. Parce qu'évidemment, quand je parlais tout à l'heure du golfe du Qatar, les premières traces du vivant du golfe du Qatar, c'était des cyanobactéries. Les mêmes qui aujourd'hui sont à l'origine de la fabrication des algues, à l'origine de la création des mousses, à l'origine des mousses dans les joints du Louvre-Lens. Et donc, ces cyanobactéries, elles travaillent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur si on leur donne les conditions d'humidité et de développement. En clair, c'est l'origine des moisissures que tout le monde connaît certainement. Vous avez rencontré dans votre vie des moisissures chez vous, dans votre maison. Et donc, j'ai utilisé ce faisceau informatique en creux pour installer le développement des moisissures sur la durée de l'exposition, qui est une durée de 6 mois, ce qui est assez exceptionnel pour une exposition. Je passe les détails de difficultés techniques, mais ça supposait évidemment que l'air soit 100% saturé d'humidité. Il fait très chaud à Milan l'été. Au bout de 15 jours, vous avez ça. C'est-à-dire ça commence, ça fabrique, ça turbine. Et évidemment, quand on aime toutes les choses qui se fabriquent sans que vous le sachiez, on est quand même assez impressionné. Alors, il y a ce qui se voit, il y a ce qui ne se voit pas. Parce qu'évidemment, tous les gens qui visitent l'exposition trimballent des bactéries et colonisent et disséminent. On a finalement mis un substrat, enfin, pas un substrat, mais ce qui est utilisé dans les laboratoires de biologie pour faire nos analyses de sang. Et on a utilisé ce médium pour que les bactéries et les cyanobactéries puissent avoir un minimum à manger. Sinon, c'était trop long et trop aléatoire puisqu'il n'y avait pas l'humidité requise pour des raisons de... Ça mettait en alerte les alertes pompiers. Et donc, ce n'était pas compatible à un équipement recevant du public. Bon, quand on fait du paysage à l'intérieur des bâtiments, il y a ce genre de problème qui n'est pas trop compatible. Voilà ce qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui se voit, mais de fait qui existe. C'est-à-dire... J'ai rien inventé, enfin, il n'y a aucune falsification. C'est vraiment de la mise en lumière de ce qui se passe autour de nous et qui fait qu'en simplement on respire et que les choses sont possibles, en tout cas spontanément, sans qu'on ne demande rien. Et c'est plutôt pas mal, je trouve.
Voilà pour Milan. Bon, là encore, c'est de l'expérimental. Bon, il y a plein d'artistes hein, qui travaillent sur ce genre de choses en ce moment. Je ne considère pas que je suis une artiste. Je voulais simplement mettre en relief ce qui s'est perdu au Louvre et peut-être que j'espère retournera au Louvre par cette installation qui faisait clairement apparaître la fabrication du vivant, mais à partir de rien. C'est-à-dire, on m'a demandé pourquoi je ne mettais pas des fruits comme certains artistes font, des légumes et ce genre de choses, mais c'est absolument pas ce que je voulais. C'est-à-dire, je voulais vraiment que les gens se rendent compte de la fabrication du vivant à partir de l'invisible, pas à partir de pourriture ou de détérioration de quelque chose qui est déjà là. Je termine avec Bordeaux. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, on parle de faisons paysage viatique de l'imaginaire. Bordeaux est en quelque sorte pour moi l'expérience inaugurale en fait de toutes les hardiesses que j'ai eues par la suite. C'est parti d'un terrain de micro-entreprise, c'est-à-dire un terrain nu, vierge. Le programme, ce qui n'est pas le cas dans aucun des autres projets, c'est que vraiment le jardin botanique fasse démonstration du potentiel des plantes, du paysage, etc. Donc, je passe rapidement, mais il s'agissait de faire la démonstration de l'ethnobotanique, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on mange quelque chose dans l'assiette, la pharmacie, la démonstration du potentiel du milieu naturel du bassin aquitain, la relation à l'eau, les milieux exotiques, etc. C'est aussi un projet fait en partenariat avec un architecte, dans le concept, puisque jusqu'à ce jour, les paysagistes ne font pas des serres ni des bureaux. Le programme de ce projet a été fait par un diplôme d'étudiant. Et au début, pour faire court, j'étais très angoissée. Je crois que c'est mon premier concours de paysagiste, un peu important. J'avais moins de 30 ans, je ne sais plus quel âge j'avais. En disant, mais ils nous demandent des choses, mais ce n'est pas possible, parce qu'à l'origine, un jardin botanique, c'est fait pour de la recherche, pour des universités. Donc, par ailleurs, j'étais à l'école des sciences humaine à Paris, je savais ce que ça voulait dire chercheur, j'avais beaucoup de respect, enfin je veux dire quand on fait l'expérimentation il y a des paramètres, il faut respecter deux, trois choses, c'est pas du bluff quoi. C'est pas juste faire de l'esthétique, faire du fun, faire de l'ambiance, il faut un peu plus, donc j'étais un peu stressée par cette question de respect d'un outil de recherche pour des chercheurs. Et après évidemment quand j'ai compris que c'était un étudiant qui avait fait ce programme, je me suis un peu libérée, je me suis dit après tout bon, si un étudiant faisait cette hypothèse, je suis sortie de l'école, j'ai un diplôme, je suis capable de répondre à cette question. Et c'est là donc, avec le concours évidemment d'une entreprise qui, sur ce coup-là, contrairement au Louvre, était vraiment très très impliquée dans cet objet, puisque lui-même avait été viticulteur, lui-même connaissait parfaitement bien tous les milieux naturels, tous les sols du bassin aquitain. C'est grâce à cet homme que nous avons fait l'hypothèse donc, de ces sols en positif et de ces sols traités, qui sont donc, pour moi, dans mon expérience, l'ancêtre du sol traité du Louvre-Lens. Bien évidemment, je n'aurais jamais fait le sol du Limon, du Louvre-Lens, si je n'avais pas fait Bordeaux en arrière-boutique, c'est impossible. C'est parti donc de cette motte de mousse et de terre, et c'était important pour moi de montrer 10 ans après, parce que, bon là c'est 10 ans, donc il y a déjà 5 ans qui sont passés depuis ces images. Ici, c'est 300 mètres carrés. Donc quand je disais que la capacité de transgression de l'échelle, des limites, n'a rien à voir avec la dimension de l'endroit où vous travaillez, et ça a à voir avec les outils que vous mettez en œuvre pour faire le programme qu'on vous propose. Le bassin, au début, c'était un bassin. Ça faisait partie du programme. Aujourd'hui, c'est un lac. C'est-à-dire que quand il fait chaud en été, les gens s'y baignent. J'aurais fait l'hypothèse, il y a 12 ans, que les gens s'y baignent. Ben, d'abord, je n'aurais pas fait l'hypothèse, parce que c'était improbable. Tout le monde m'aurait regardé avec des yeux de fou furieux en disant « mais elle est folle ». Aujourd'hui, personne ne dit rien, ni du point de vue sanitaire, ni du point de vue sécurité. Tout le monde se baigne, les enfants, dans ce lac, tous les étés. On est au plein centre-ville de Bordeaux, hein, il faut le rappeler. Bien évidemment, si les gens s'y plaisent, les animaux s'y plaisent aussi. Voilà les images du début, donc des 3-4 premières années. Les graines sont sorties spontanément du sol qu'on a importé, des vrais sols du bassin aquitain. Bon, on a quand même planté 2-3 arbres, hein, mais on les a plantés bébés, c'est des plants forestiers. Ça aussi, je pense que c'est déjà il y a 5-6 ans.
Là aussi, les 5 hectares de jardin étaient le premier pas du développement urbain qui s'est fait tout autour de 12 hectares. Bien évidemment, je ne sais pas si ça va revenir dans l'échange du dialogue, la manière dont c'est entretenu n'a rien à voir avec ce que j'aurais aimé qu'il se fasse, mais après, l'appropriation des habitants est vraiment très, très importante. Et en plein centre-ville, il y a quand même ce type de situation improbable. Personne n'a amené cette bestiole lui demandant de pêcher les poissons. Personne n'a amené les poissons, enfin, je crois pas. Enfin, je n'étais pas au courant, en tout cas. Mais on est en plein centre-ville de Bordeaux ou de Paris ou de partout. Enfin, je veux dire, c'est possible, apparemment, d'avoir ce type de situation quand on fait du paysage dans un projet urbain. Et c'est là où je dis que, bien évidemment, enfin, le paysagiste, l'architecte, il met en route une partition. Ensuite, la partition est jouée par d'autres. Mais la manière dont vous engagez la partition est de votre entière responsabilité. Et donc, c'est cette partition-là qui permet ou pas d'ouvrir la grille d'interprétation ou de la fermer irrémédiablement, bien évidemment à l'appropriation et bien évidemment à l'imaginaire et bien évidemment à l'évolution sur le long terme. Je crois que c'est la dernière image. Merci. J'ai dépassé l'heure. Parfait, merci beaucoup. Donc on va prendre un petit temps de débat. Moi, pour ma part, c'est vrai que par rapport à tous ces projets qui ont été réalisés, conçus et présentés ce matin, tous ces parcs, on sent bien dans le travail du dessin aussi une relation importante entre ce que j'appelle le dur et le mou, c'est-à-dire le jeu du béton qui va montrer et valoriser le processus nature un peu partout. Et il y a, à part effectivement là où c'est très quadrillé, il y a dans tes projets quand même une fascination pour la topographie, le côté un peu cellulaire et les courbes. Et du coup, je voulais juste que tu nous parles un peu de cette écriture. Bon, j'ai un background de philosophie, de biologie, physique, chimie, ça lapsus, excusez-moi. Bon, j'ai des restes de chimie qui me fascinent. Je n'étais pas mauvaise en chimie. Le professeur de chimie était fâché que je parte en paysage et ne comprenait pas à quoi ça servait que je fasse du paysage. Je ne sais pas, enfin, en tout cas, c'était pas... C'est vrai que quand on rentre dans une direction et qu'on a des résultats, quand on a des résultats, on continue à creuser le même sillon. La Galerie des Milieux de Bordeaux, c'était d'abord au concours, c'était des sacs de patates, toile de jute, c'est ça parce qu'évidemment, spontanément, je n'avais pas la possibilité de faire cette terre verticale. Bien évidemment, j'ai consulté des gens, bien évidemment, je me suis entourée, ça ne sort pas de mon cerveau tout cru. Et donc, au début, c'était quand même plutôt, entre guillemets, la muséographie, c'est-à-dire les sacs de patates représentaient la terre en positif pour montrer le fait que ce qu'on voit au-dessus, le paysage, est directement lié à ce qu'on voit en dessous, la géologie, la pédologie, etc. Donc, on était Catherine Gustafsson, l'agence Terre. Du coup, là, c'est moi qui ai gagné. Agrocampus, c'est l'agence Terre qui a gagné. Je ne voulais pas qu'on soit devant un effet de muséographie et je voulais que les gens soient à l'intérieur du paysage. Et pour qu'on y croit qu'ils soient à l'intérieur du paysage, il fallait qu'ils puissent circuler entre chaque morceau qui représente chaque paysage du bassin aquitain. Et donc, avec l'entreprise, avec Claude Figuereau, très vite est apparu le fait qu'on puisse mettre la terre en verticale. Enfin, très vite, non, pas très vite. On a discuté des mois et des mois pour convaincre les bureaux d'études. Mais là, comme l'objet, c'était le jardin comme programme, je ne me suis pas fait virer comme au Louvre, puisque l'objet, c'était ça. Donc, ils ont pris le temps de réfléchir pour trouver la solution du bureau de contrôle qui accepte le risque technique de le faire. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les 3D et tout ça. On a fait des maquettes et on a photographié des maquettes pour que l'entreprise refasse exactement la même représentation de photos de maquettes de tout le périmètre de chaque jardin. Alors, Bordeaux, ce n'est pas cellulaire, j'en sais rien, mais il fallait que ça soit... Ça ne pouvait pas être carré. Enfin, ça ne pouvait pas être carré. Je veux dire, tu ne représentes pas des milieux naturels comme des carrés. Il fallait quelque part qu'il y ait un lien entre ce que tu représentes et ce que tu introduis comme mode de représentation.
Donc là, c'était entre guillemets le difforme ou l'informe ou je ne sais quoi. À la fois, il fallait que ça accepte l'érosion, c'est-à-dire on était dans un registre de transformation. Donc si tu commences à faire quelque chose de très carré et si ça disparaît, tu perds ton sujet. Donc il fallait que ça soit à l'origine déjà ouvert à l'érosion, à la transformation. Pour le Louvre, on est sur un sol pauvre, hein, puisque des blés remblés, puisque schiste, donc pas de nutriments. Au moment du concours, parce que c'est des images du concours, j'étais déjà déformée par Claude Figuero. Entre-temps, j'avais enseigné à Philadelphie. J'ai acheté un livre de 100 pages ou de 500 pages sur les mousses dans le monde entier, la prolifération des mousses. C'est phénoménal, c'est magnifique, c'est des bijoux. Et je me suis dit, on est sur un sol pauvre, il ne faut pas amener de la terre. Il faut traduire le processus naturel, biologique, de production du vivant en faisant des joints et en utilisant la capacité de prolifération des mousses, donc en utilisant le système de prolifération des mousses pour faire du parvis. J'ai fait des joints creux, il n'y avait pas de terre végétale. Donc le premier boulot, enfin, etc., c'est toujours la même histoire. Donc je me suis servi d'un motif, de plusieurs motifs de prolifération des mousses issus de ce bouquin, traduction de ce bouquin, fait par des Américains ou des Anglais, je ne me rappelle plus, pour faire du jardin. Bon, la première année, évidemment, tout le monde était stressé comme d'habitude. Les mousses ne sont pas venues, elles sont venues le temps qu'elles viennent, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas instantané. Évidemment, comme ce n'est pas maîtrisable, je crois, mais je ne suis pas sûre que... Tout ce qui n'est pas maîtrisable, ce n'est pas sérieux. Je crois qu'ils ont remplacé tout le sol pauvre en terre végétale et maintenant, ils ont de l'herbe. Donc, notre problème de fond, c'est que la culture du contrôle qui est liée à l'espace public ne supporte pas, n'admet pas, ne tolère pas ce qui n'est pas stable, fixe, contrôlable, mesurable. Donc, c'est un gros problème pour les paysagistes, je crois, en tout cas pour moi, puisque, évidemment... Une fois que tu as de l'herbe définitivement et tu n'as plus aucune surprise et tu n'apprends plus rien, il n'y a plus aucune contamination, dissémination. C'est un gros sujet qu'évidemment Bordeaux m'a renvoyé en retour en puissance, que évidemment j'espère au Louvre, on verra, que évidemment j'espère à Taïwan, ça va un peu plus vite parce que ça pousse plus vite qu'en France. Mais en même temps, c'est ça qui nous enrichit, c'est ça qui nous renseigne, c'est ça qui nous apprend. Et c'est ça qui fait qu'on apprend pendant toute la durée du jardin. Je trouve que c'est ça la puissance de notre métier par rapport au métier d'architecture. Une fois que le bâtiment est fait, c'est fini. Tu as fait le tour de la question. Enfin, je veux dire, moi, ça m'intéresse l'architecture, mais jamais je ferai de l'architecture. Bon, quand Sana, qui sont un peu plus filous, ils s'amusent à dissoudre le truc, donc tu as toujours des surprises parce que tu n'as jamais le même ciel, tu n'as jamais le même nuage, tu n'as jamais la même pluie, donc tu peux t'amuser longtemps à regarder la façade. Mais il n'y en a pas beaucoup des bâtiments qui acceptent de se dissoudre. Dans la temporalité. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Alors, on continue les débats. Juste, en effet, Catherine, je crois que pour nous tous, et pour vous qui commencez le métier, c'est une leçon de liberté, c'est une leçon d'exigence de la liberté. Vous voyez comme elle est difficile à acquérir. Et vous voyez que les images que vous voyez, des belles images que vous voyez, ce sont des combats quotidiens qu'elle a menés pendant très longtemps. Et en effet, cette exigence-là, moi, j'en suis extrêmement séduit, enfin convaincu. Et je crois que ça veut dire que dans votre vie professionnelle, si vous voulez arriver en effet à faire des projets comme le fait Catherine, ça veut dire une énergie, des combats quasiment quotidiens. Alors, ce que j'aime, c'est que dans ton travail, non seulement, il y a des belles images, mais en effet, elle a considéré chaque fois que le paysage, c'est aussi une vraie expérience sensible. Tu n'es jamais juste sur une vision théorique ou strictement discursive sur la rationalité de la constitution du projet. On sait très bien que dans un projet, il y a toute une partie rationnelle qu'on peut exprimer. Et puis, tu as dit toi-même, il y a une grande partie irrationnelle et qui est beaucoup plus difficile à exprimer. Et je crois que c'est celle-là qu'il faut comprendre. Et il faut toujours vous dire que cette expérience-là, et Catherine le montre très très bien, c'est vraiment cette expérience sensible qu'il faut arriver. Et cette hauteur d'homme, je dirais. Chaque fois, dans tes projets, on se rend compte que tu as une vision en hauteur d'homme. Et que c'est ce travail-là qui vraiment nous paraît une grande richesse. Alors, dans ton titre, tu parles de viatique de l'imaginaire. Alors, c'est un très beau titre. Alors, la question qu'on pourrait te poser, c'est en effet, comment tu fais, toi, pour réactiver
cet imaginaire, puisque on voit bien cette partie irrationnelle. Tu parlais de la chimie, tu parlais de ton livre sur les mousses, mais est-ce que tu as une, comment dire, une démarche ou une vie qui te permet de réactiver ton imaginaire lorsque tu abordes un projet, c'est-à-dire qu'une vie à côté qui te fait un bagage d'imaginaire, ou est-ce que c'est strictement le projet qui va te susciter, qui va te motiver ton imaginaire? Tu vois, est-ce qu'à côté, tu as une alimentation, hein, je veux dire, qui te permet d'avoir des lieux d'expérimentation à toi ou des lieux de recherche à toi, qui soient indépendants du projet? C'est vraiment une question que à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Et est-ce que toi, tu as une vie à côté qui permettrait, disons, aux étudiants de se dire, tiens, je peux cultiver mon jardin, et ce jardin, lui, va alimenter, en effet, des problématiques beaucoup plus générales et de répondre correctement au projet? J'étais à Harvard au premier trimestre cette année, et les étudiants, j'avais pas d'Américains, j'avais que des gens qui venaient de partout, et ils étaient perdus, évidemment, de notre enfin en tout cas de ma manière d'essayer. J'essaye de garder 2-3 trucs de Michel Corrajoux. Donc pour des gens aujourd'hui, c'est un peu violent. Déjà pour nous c'était violent, mais aujourd'hui c'est encore plus violent. Et donc ils me disaient, mais en fait il faut avoir du talent à la source pour faire ce que vous faites, parce que nous, on n'a pas de talent. Enfin, on le saurait si on avait du talent. Non, pas du tout. Et donc, j'ai raconté que non, on n'a pas de talent. On cultive, hein. On fait un travail, on le cultive et on se nourrit et on apprend en faisant. Sinon, enfin, en tout cas, moi, ça ne m'est pas tombé. Ce n'est pas inné, ce n'est pas dans mes gènes. Enfin, il y a 2-3 trucs qui sont dans mes gènes, mais pas tout. En tout cas, pas le design. J'ai eu la chance, je pense, il faut le dire. Quand on est sorti de l'école, remettons les choses dans leur lit. Je sais pas toi, mais nous, en tout cas moi, j'étais perdue, parce que moi j'étais pas faite, programmée pour être intellectuelle ou rien de tout ça. Il fallait que je me batte pour aller à Versailles. C'était pas acquis de faire des études. Ma famille, on est des artisans, on n'est pas des intellectuels. Et donc quand les parents aujourd'hui, je pense, font un effort pour donner de l'argent à un jeune pour faire des études, ben à la sortie, tu es ingénieur, tu as un boulot, enfin, ça tourne, quoi, c'est sur les rails, enfin, c'est normal, tu ne vas pas payer, avoir un titre. Et nous, quand on est sortis, Corrajoux nous disait en long, l'argent travers, vous ne savez rien faire, vous ne savez rien, patati, patata, et tita. Évidemment, quand on sort, on ne sait rien, et on a... Enfin, bon, pardon, je ne vais pas exagérer. Bref, je clôt. Mais donc, en sachant tellement rien... Avec quelques-uns, dont Marc, dans la salle, on a fait la revue Page Paysage. Je parle de cette revue parce que quand on n'a pas un bagage intellectuel et qu'il faut le construire, parce qu'il ne vient pas tout seul, ça se construit. Donc, évidemment, je n'avais pas de talent de paysagiste. Je ne vois pas pourquoi j'en aurais eu un. Enfin, bon, c'est pas... Et donc, construire un regard et une pensée ne se fait qu'avec un regard critique. C'est-à-dire, on est obligé d'essayer de comprendre, de présenter... et de rentrer dans des processus de production, ce que la revue nous a aidé à faire. Cette revue, on l'a fait pendant 10 ou 15 ans, je ne sais plus, de 87 à 2002, en allant chercher partout des philosophes, des artistes, des machins, tout ça, des paysagistes, en faisant parler les paysagistes, en les enregistrant, en faisant des interviews, en faisant les textes, en faisant les présentations, bah, tu apprends. Ça, c'est un critique de l'imaginaire. Bah, tu apprends. Je veux dire, je ne me serais jamais lancé... La connerie de Bordeaux, c'est à cause de Figaro. Je veux dire, j'ai pas ça dans mon background. Je veux dire, c'est parce que j'ai fait l'interview de Figaro que j'ai compris ce que c'est une cyanobactérie, que j'ai compris la possibilité. C'est à cause de Figaro que j'ai fait Bordeaux. Après, ben, quand tu fais Bordeaux, je reviendrai sur un autre sujet après. Ben après, tu es très content parce que quand même... Mais il n'y avait que moi qui étais contente au début parce que les élus étaient fous furieux parce qu'ils attendaient un jardin botanique et qu'ils avaient des tas de cailloux. Comme le Louvre était fou furieux parce qu'ils ont des joints en mousse et qu'ils ne veulent pas que ça lire les chaussures. Enfin, pas le Louvre, le client du Nord-Pas-de-Calais. Après, donc, bien évidemment, la revue a ouvert un champ interdisciplinaire phénoménal. Ensuite, je suis allée à l'école des autres études et donc j'ai appris à apprendre puisque Corrajoux nous disait qu'on ne savait rien. Il n'y a que ça, c'est-à-dire on ne peut pas... Je veux dire, à l'école, pourquoi tu fais un trait à droite, pourquoi tu fais un trait à gauche? Moi, je ne savais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai compris seulement ce que c'était le projet à la fin du diplôme, c'est-à-dire j'ai ramé comme une malade, enfin, je ne savais pas. Donc, j'avais pourtant... Ben, à l'université, tout le monde apprend à savoir. À l'école, on a appris à ne pas savoir.
mais à être dans le confort de ne pas savoir. C'est un entraînement d'être dans le confort de ne pas savoir. Enfin, c'est pas habituel dans nos traditions occidentales d'accepter de ne pas savoir. Et que le ne pas savoir, c'est un moteur pour savoir. Après, une fois que tu as tout ça, tu as rencontré un certain nombre de gens qui t'ouvrent des horizons. C'est vrai que le danger, et c'est toujours un danger, parce que, je veux dire, c'est jamais acquis. On n'a jamais assez de réserves. Et faire des choses que ce que tu sais faire, c'est chiant. Enfin, je veux dire, c'est tellement difficile ce qu'on fait que ne faire que ce que tu sais faire, on s'emmerde. Enfin, je veux dire, et quelque part, il faut de la niaque pour... Enfin, il faut du plaisir, quoi. Sinon, tu fais pas, tu peux pas, c'est pas humain. C'est vraiment pas humain. J'ai perdu le fil. Bon, on va ouvrir encore un petit peu la parole. Est-ce que parmi vous, quelqu'un... Moi, je voudrais juste te remercier parce que je trouve que ça me fait un plaisir fou de voir que tu es en bonne santé. Non, mais parce que j'ai su que tu avais vécu des trucs pas marrants, notamment en Australie, que j'aime beaucoup. Et on m'a dit ça et je te trouve rayonnante. Et vraiment, ça me fait plaisir. Et puis l'autre chose pour laquelle je voudrais te dire merci, c'est évidemment cette magnifique conférence, parce que je pense que cette conférence tombe pile poil, mais remarquablement bien, après toutes sortes d'autres, évidemment. Et notamment, je pense en particulier à mon cher Jacques Coulon qui nous avait expliqué qu'il ne fallait pas aller travailler en Chine. Et je trouve que là, tu nous as montré que ce n'était pas aller porter à l'autre bout du monde une vision singulière. C'est plutôt que tu as confiance et que tu démontres que ça vaut la peine d'avoir confiance dans une vraie rencontre. Quand j'ai vu tes dessins, je me suis dit « Waouh, ça me fait penser à la cartographie chinoise ». Enfin, et puis quand j'ai vu que tu parlais de Steiner, il n'est pas chinois. Non, il est plutôt, je ne sais pas, ça a un nom un peu, voilà, un peu de la vallée du Rhin ou quelque chose comme ça qu'on a en commun. Et je me suis dit « Mais si, comme... Cannes, enfin du jardin Cannes, quoi. Il y a eu des Alsaciens un jour ou des Suisses qui se sont passionnés pour l'Extrême-Orient. Au nom de quoi, nous, on n'aurait plus le droit d'aller là-bas, quoi. Tu comprends? Et ça, je trouve ça extraordinaire. Tu nous as montré que par le meilleur de ton effort, tu arrivais à nous faire la démonstration que c'est plus facile de travailler pour le Qatar ou pour les Chinois que pour Michel Devigny, en gros. Hein, parce que... ça, c'est sûr. Non, non, mais ça, je trouvais ça vraiment beau. Et puis l'autre chose pour laquelle je voudrais te remercier, et vraiment, c'est vraiment un merci sincère et profond, c'est que tu nous montres que l'opposition totalement factice et improductive entre la préoccupation pour le paysage et la préoccupation aussi écologique est parfaitement dépassable. Que tu montres des projets qui sont évidemment... écologiquement concernés, on dirait, pour faire un anglicisme comme tu as pu en avoir, et que, précisément, par le meilleur du paysage, on peut atteindre le meilleur de l'écologie. Pour moi, tu as eu un mot qui me paraissait génial, tu as dit « Évidemment, si les hommes sont heureux, si les hommes sont contents, les animaux aussi. Wow, » waouh, mais quelle découverte géniale, quoi. Formidable. C'est d'un optimisme fou. Et puis, après, tu as dit... à Bordeaux, j'ai mis les gens au milieu. Et ça m'a rappelé... Hein, t'as dit, j'ai pas évacué les gens, quoi. Et c'est exactement ce que m'avait dit Michel Corrajou quand il m'avait présenté son projet pour le zoo de Vincennes. Il avait dit, tu comprends, quand on va au zoo, on y va en famille. Donc on peut pas faire des allées qui fassent moins que tant de large, quoi. On peut pas mettre les gens dans des bunkers et puis les animaux, soi-disant, dans leur milieu. Je veux dire, il y a des limites à ça, en tout cas. Il y a aussi un message à dire... Un jardin zoologique, c'est un jardin, tu vois. Et cette idée que on a ici le témoignage de gens qui viennent nous dire, finalement, mon parcours vital, ma vie, a compté dans ma manière de comprendre le temps à l'œuvre dans le paysage. C'est ça ce que tu as dit. C'est magnifique. C'est vraiment le sens de ces conférences. Et le fait que tu puisses dire, je suis censé venir parler du jardin, mais finalement, je vais vous parler de au-delà de l'horizon, quoi. Parce que c'est pas mal aussi. Le jardin planétaire, c'est bien, mais le paysagiste planétaire, peut-être, c'est bien aussi, quoi. Encore une fois, merci. Je sais pas s'il y a encore des questions. Par exemple, juste, et puis je conclurai par rapport à l'identité française, pardon. C'est peut-être un vilain mot, mais... le Qatar... J'y serais jamais allée, au Taïwan non plus d'ailleurs, spontanément. Donc, ce qui est magnifique dans notre métier, c'est qu'on va
on découvre le monde à travers un regard qui questionne le monde. Le studio que j'ai proposé à Harvard, c'est In the Middle of the Stream, c'est-à-dire au milieu du courant. Le Qatar, c'est pas une démocratie, donc spontanément, c'est pas très, enfin, pour des gens comme nous qui militons pour l'espace public et tout ça, c'est pas très compatible. Mais l'histoire de la formation de ce pays au niveau géologique, mais c'est fascinant. Donc, ce qui est magnifique dans la manière dont on peut mobiliser des outils de paysage, c'est que c'est jamais fini. C'est-à-dire entre l'infiniment petit, le microscopique des bactéries et l'infiniment grand de la planète, des mouvements, des tectoniques et tout ça. Mais c'est géant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme question sur les changements climatiques, mais c'est une réserve sans fond en termes d'imaginaire. En tout cas, pour moi. Après, évidemment, personne ne m'a demandé de chercher ce qui s'est passé. Personne ne te pose jamais. C'est toi qui vas le chercher. C'est ce désir, en fait, que tu... Oui. Après, je pense sincèrement, et c'est ça que je... On peut peut-être conclure par ça. C'est-à-dire, on n'est jamais content de ce qu'on a, en France, en tout cas. Il suffit de voyager, de sortir, en tout cas quand je fais ce type de conférence à Philadelphie, Harvard ou partout ailleurs, c'est comme si c'était, enfin, ils sont pas du tout dans cette logique, quoi. Enfin, bon, déjà les Américains, mais c'est du fantasme pur. J'ai eu de Philadelphie, ce qui ne m'est jamais arrivé de ma vie, une lettre de remerciement, en fait, de montrer aux étudiants que c'est possible de faire ça. Et ça, on était à Los Angeles avec Henri Bava. On a tous des parcours différents. Mais j'étais moi-même surprise. On se voit une fois tous les 5 ans avec Henri Bava. Henri Bava a fait donc une présentation à Los Angeles. Moi, j'en ai fait une. Il y avait d'autres, des Américains, des gens qui venaient de partout. Et même si on est sur d'autres montagnes, je dirais même avec Michel Desvignes, on voit vraiment qu'on a une base commune. Et qu'on est français. En clair, même si tu ne te vois pas, tu montres la manière de présenter le projet, la manière de développer, c'est typiquement lié à l'école de Versailles. Et pour ne pas dire, en tout cas, dans la formation qu'on a eue. Et nous, on ne le voit plus parce qu'on est trop dans le nez dans le guidon et qu'on est trop. Et qu'on râle tout le temps et que ça pourrait toujours être mieux. Mais on est vraiment dans une situation de privilège. On peut faire des choses avec notre background que nulle part ailleurs, je pense, qu'on pourrait faire. Et évidemment, on nous envie ça. C'est-à-dire, ils se demandent comment on fait. Et ils pensent que tout ça va naturellement, spontanément. Bien évidemment, c'est faux. Mais en tout cas, on peut le faire. Et ben, c'est du luxe, quoi. Enfin, il faut le dire. Il faut... Je crois juste un mot. Je crois que c'est ce qu'on a appris ensemble à l'école. C'est qu'il y a une certaine universalité à la subjectivité. Ouais. Et ça, personne ne l'accepte ailleurs. Voilà. Cette universalité de la subjectivité... Il faut l'assumer et bravo, bravo oui, Catherine. Tout à fait, je suis d'accord. Bravo. Bravo encore.